Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est samedi, il est 9h20 et la copine Marjo vient aujourd'hui me rendre visite. Alors par contre, on a hésité, hein. Ce matin je lui ai dit t'es sûre que tu veux pas reporter parce que bon il fait gris, il devait pleuvoir mais il pleut pas, donc fingers crossed, on verra. Normalement il fait gris, bon il y a une vingtaine de degrés quand même, mais bon c'est pas, on va aller faire un petit tour au Touquet. Je vais peut-être l'emmener dans un salon de thé anglais là qu'il y a au Touquet chez Elizabeth. Évidemment. Là, je vais essayer d'aller au camping un petit peu plus bas parce qu'il y a une bibliothèque partagée. À chaque fois, j'ouvre, je rate les horaires d'ouverture et j'ai aussi... Est-ce que je l'ai là? Non. Hier, je suis allée acheter la veste de jogging. Vous savez, je vous avais parlé que j'avais repéré une veste de jogging avec le petit écusson, le touquet, et j'ai envie de prendre le bas de jogging. J'ai pris que la veste, mais... ou alors, je vais emmener Marjo chez Texty. J'ai repéré aussi des petites boucles d'oreilles. Il y a un artisan qui crée des boucles d'oreilles en nacre, etc. avec des pierres, etc. Et j'ai bien envie de... Je pense que je vais emmener la Marjo avec moi. Je vais d'abord aller à la bibliothèque partagée. Et puis on verra. On se retrouve pour une produit terminé. Alors, I Love Brighton. Le sac que j'ai eu là-bas, que j'ai acheté là-bas. Alors celui-ci, jamais je m'en débarrasserai. D'ailleurs, j'ai repéré des petits sacs écrits c'était la plage, mais... J'ai repéré plein de trucs, moi, c'est ça mon truc. Donc ça, oui, ça vient de Brighton, hein, février 2018, on l'a eu le jour où Pierre faisait la... Pierre, c'est mon ex-compagnon. Il faisait la course, le marathon de Brighton, en fait. Et pendant ce temps, ben, comme c'était un petit peu lent, moi, j'étais allée prendre un café et j'ai fait la boutique des souvenirs, forcément. Je me rappelle, il faisait mais moins 3, moins 4, il faisait froid, mais il faisait beau. Bon, bref, tout ça pour dire... J'ai hâte de pouvoir y retourner hein, cette année. Tu sais, je demandais à Marjo, je lui dis, bon, on peut pas aller à Canterbury une journée, mais apparemment, tu risques la quarantaine, enfin la quatorzaine. Donc, bon. C'est des produits qui étaient déjà ici dans l'appartement des vacances. Hein. J'ai pas tout fini en une semaine. Hein. Je l'aime beaucoup celui-là. Ça vient de chez Auchan, c'est la marque Cossia. C'est un lait de douche à l'amande. Ça sent hyper bon. Bon, par contre, le petit travers de ça, c'est que l'odeur, elle dure pas, quoi. Forcément, ça dure jamais très très longtemps, donc... Mais j'aime beaucoup. Ah, ma Sweet Tooth, elle dort. On va aller promener après ou pas? T'as envie? Elle est cuite. Ensuite, ça vient de chez Nose. Elle est tout dégueulasse parce que je l'avais emmenée à la plage, donc fatalement. Il y a un peu de table. C'était des lingettes. Bon, vous savez que je suis moins lingette qu'avant. J'essaye de moins acheter ces trucs-là. Mais là, c'était quand même pratique pour quand t'es en balade, etc. C'est quand même pratique. Le petit cucu de Sweetie à nettoyer, évidemment. Bah oui. On va aller promener après. Ma grosse dondon. Dis bonjour aux gens, Gan. Gan. Ça va, mon bébé? J'ai fait mes sourcils avec une poudre, un fard à paupières, parce que j'ai fini sans transition. Sans transition aucune. J'ai fini mon crayon. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est parce que je l'ai vraiment utilisé tous les jours. Mais j'ai l'impression qu'il s'est fini vachement vite. Alors, vous verrez rien. C'est la marque Makeup Obsession qu'on trouve sur le site Revolution Beauty. Il faut bien que je prononce parce que j'ai une abonnée qui était irritée. Parce que je prononçais smoothie. Smoothie. Bah oui, parce que j'ai envie parfois... Là, je prononce à l'arrache parce que je me dis ça fait toujours un petit peu snob de prononcer avec l'accent anglais. Donc, c'est un smoothie, bien sûr, avec le TH qu'on fait comme ça. Voilà. Oh là là, les gens me fatiguent. Tout ça pour dire que j'avais acheté ça. La teinte, c'était Ash Brown. C'était super. C'était une toute petite... Je pense que aussi à un moment, j'ai dû... Peut-être en faire tomber un petit morceau quand je me suis... C'est pas possible que ce soit fini aussi vite. Bon, bref, il est super, super, super celui-ci, ce crayon-là. D'ailleurs, là, j'ai passé une commande. J'ai besoin d'un eyeliner. J'ai pris un crayon noir pour la muqueuse. Et un crayon pour sourcils. Bah, parce que, voilà, évidemment, j'ai tout fini. Le crayon noir de chez... Alors, celui-là, je suis dégoûtée de le jeter. De AliExpress. Il était super. C'est la marque Ojo. Alors, par contre... Hier, j'ai vu une vidéo d'une youtubeuse anglaise. Ils ont trouvé de l'amiante dans une des palettes Beauty Glaze qui s'appelle Gorgeous Me. Je l'ai bien prononcé là, hein. Gorgeous Me. Donc si vous l'avez, peut-être ne pas la garder.
C'est une palette qui est argentée. Et, elle s'ouvre comme ça, comme des fenêtres. Une fenêtre, en fait. Donc, oui, voilà. Donc, je pense que le make-up AliExpress, je vais peut-être arrêter un petit peu. Donc là, j'ai commandé sur Zalando. C'est un peu plus cher, mais c'est pas grave. Ou sinon, vous prenez du make-up essence. Ça, oh là, ça doit faire 1000 ans que c'est là, parce que c'est Winter Magic, là. Winter Time. 1,05, je l'avais eu chez Nose ici, quand j'étais... La dernière fois que je suis venue, de toute façon, ici, c'était en février. C'est bien simple, c'était avant le confinement, donc les dernières vacances. Mais c'était déjà là. Donc, je pense que c'est là depuis Noël. Voilà. J'ai fini. Alors, ça, grosse tristesse. L'eau de rose... Enfin, le... Non, pas l'eau de rose. Jelly Cleanser Rose Water. T'as vu, j'essaie de tout bien prononcer hein, aujourd'hui, hein, avec l'accent. C'est un petit gelée démaquillante. C'est super. J'adore. Ça sent super bon, la rose. Mais la rose subtile, j'aime bien la texture un peu gélatineuse comme ça, mais sans être trop collant. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Ah oui, alors j'étais persuadée qu'il y avait un action à Berck. J'arrive plus à retrouver l'adresse sur Internet. Donc, s'il y a des gens qui habitent dans le coin, je sais qu'il y a un autre, parce que j'y suis allée hier. Enfin, je suis passée devant. Mais il faisait trop chaud, je voulais pas laisser Sweetie dans la voiture. Mais à Action, j'étais persuadée qu'il y avait un Action à Berck. Alors, est-ce que je l'ai rêvé ou... Avec sa pluche. Alors, je l'ai peut-être rêvé, dites-moi. Ensuite, j'ai fini... Ah, alors ça, c'est pareil, il faut qu'en repassant... Attends, il en reste peut-être un peu. En repassant à Stokomanie, là, à Amiens, quand je vais rentrer, je rentre mardi. Dans la journée, je vais peut-être m'arrêter prendre ça. Ma mère, elle m'a dit, oh, j'en veux un aussi, donc Freschia, fleur de cerisier. Ça sent trop. J'adore. J'aime bien ces petits parfums-là. D'ailleurs, j'en attends de Nox Fragrance, donc je suis super contente. Je leur ai demandé un partenariat, ils m'ont dit oui. Ils vont m'envoyer deux parfums et c'est génial parce que moi, je n'achète jamais de parfums. Enfin, des vrais parfums en parfumerie, je n'en achète jamais. Ensuite, ah bah ça vient d'ici, je pense. Enfin, d'ici, non. Quand je dis ici, c'est parce que je vais faire mes courses ici chez Lidl. Et je pense que ça vient de ce Lidl-ci, ici. Les maxi carré coton pour bébé. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que ça, ils sont hyper larges. Ils sont de forme... rectangulaire. Et j'aime beaucoup. Bon, c'est bon, tu dégages, Mana. Tiens. Alors, j'aime pas le bruit. Bon, ça, vous le savez maintenant. S'il y a un bruit que je ne supporte pas, c'est le bruit de moto. Je ne supporte pas ça. Bon, bref. J'aime pas le bruit de façon générale. C'est... Mes collègues, souvent, quand ils rentrent dans ma classe, ils me disent, oh, c'est calme. Je dis, ouais, mais on est obligé. Parce que moi, j'aime pas le bruit. J'aime pas les gamins quand ils soulèvent pas les chaises, tout ça. Enfin, ça... J'ai 75 ans dans ma tête. Ensuite, ah oui, je vous l'ai mis aussi, bah c'était là dans l'appart des vacances justement aussi. C'est du café, oh, amaretto, amande, c'est du café soluble que j'ai en Angleterre dans les magasins Sainsbury. Mais, on ne peut plus aller en Angleterre. Et en plus, c'est rare de trouver du café soluble avec des goûts. Souvent, c'est des cafés cafetières. Ou des cafés dosette, là j'en ai un au caramel. J'ai fini... Un nail polish remover. Comment ça s'appelle? Ça vient de chez Action, celui-là, je pense. C'est ma copine Ingrid qui me l'a donné. Un dissolvant. Bon, il est pas extraordinaire, mais ça va. J'ai fini à ma grande tristesse. Bon, mon spray fixateur Goyave Rose, il sent super bon. C'est mes sprays préférés. Là, j'en ai un autre. J'avais changé, je pense, de marque, mais j'aime moins. Donc, celui-là, je vous le conseille. J'ai aussi fini, bah dis-moi, il y a pas mal de trucs. Un déodorant Sienne, vous savez que c'est mes préférés. Le mon préféré, je pense que c'est celui avec la petite danseuse étoile, il est rose. J'ai fini un dentifrice Glamour White Now, je l'aime beaucoup, qu'on a chez Action, mais il est en édition limitée. Donc, j'ai fini, oh putain, je vais vite, hein. J'ai fini un Eucérine, là, oh mon ventre, il fait des gargouilles. C'est du... C'est pour le visage, c'est une crème solaire que j'ai sur Easy Parapharmacy. Indice 50 plus, j'en mets tout le temps maintenant, même quand il ne fait pas de soleil, parce que ma peau. Hein. Les petits masques bubble de chez Action. Et pour finir, j'ai fini un crayon long lasting de chez Essence. Je vais faire pipi, j'ai trop envie. Je vous laisse les filles, bisous.